c'est un classique des pharmacies le motilium remède contre les nausées et vomissements que certains regrettent aujourd'hui d'avoir consommé j'ai vraiment des angoisses me disant mon dieu on est en train de prendre un médicament au lieu de soulager et il vous conduit à la mort est-ce que c'est vraiment sérieux car d'après la revue prescrire le motilium ou plutôt sa principale molécule la dompéridone se révèle parfois mortelle sur 3 millions d'utilisateurs en France, en 2012, elle a causé entre 25 et 123 morts subites. Résultat obtenu en croisant les données de l'assurance maladie et la fréquence des morts subites en France. Mourir à cause de ce médicament, ça nous paraît vraiment inadmissible parce que c'est un médicament qui n'est pas très efficace. Par exemple, il a été étudié dans les nausées-vomissements de la migraine ou du mal des transports et il ne fait pas mieux qu'un placebo. Surtout, l'agence française du médicament savait. Pour les risques de mort subite. En 2011, elle a lancé un avertissement aux professionnels, mais pour la revue prescrire, c'est insuffisant. On veut que l'agence européenne prenne la vraie mesure de protection des personnes, qui n'est pas de rajouter du blabla dans les notices, qui est de retirer du marché. Et comme ça, personne ne fera d'erreur, puisqu'on ne pourra plus s'en servir. D'autant plus, dit ce spécialiste, que de nombreux médicaments, a priori plus sûrs, peuvent remplacer ce traitement.